Merci pour cette... Vous m'entendez? Oui. Pour cette invitation à présenter mon livre qui s'appelle donc, comme ça vient d'être dit, Gazer, mutiler, soumettre, politique de l'arme non létale. Donc, comme le nom l'indique, ça parle des armes non létales, dont on parle de plus en plus ces dernières années. Donc effectivement, c'est pas forcément évident d'avoir un économiste qui écrit là-dessus. Ça part tout simplement un peu de l'observation de différentes réformes libérales, néolibérales ces dernières années en France, et d'un intérêt pour la réaction dans la population, d'un intérêt pour la manière dont ces politiques sont reçues. Et en même temps, j'ai aussi essayé de prendre un peu un biais un peu différent par rapport au débat autour des armes non létales et autour de la répression. Et c'est là aussi qu'on voit peut-être un petit peu le côté économiste, même si bah, c'est pas nécessairement. Et donc j'ai essayé d'utiliser aussi pas mal de chiffres, de mobiliser les statistiques dans l'argumentation. Et on va voir que c'est assez utile et assez parlant. En tout cas, je vais essayer de vous convaincre de ça. Donc, ce livre s'appelle « Gazer, mutiler, soumettre » et il part tout simplement du constat qu'on a tous et toutes fait, j'imagine, à savoir que effectivement, ça devient dangereux d'aller manifester, le maintien de l'ordre devient de plus en plus violent et on a donc un nombre qui augmente régulièrement, un nombre de morts, de mutilés, mais aussi de personnes blessées et de personnes traumatisées, ça faut pas l'oublier non plus. Donc, on a cette augmentation des violences contre les manifestants. Et face à ça, petit à petit, le débat public a commencé à se saisir de ce sujet, souvent à peu près sous le même angle, à savoir, est-ce que... Enfin, on s'interroge sur la légalité d'un tir de balle en caoutchouc, on s'intéresse à la nécessité de distribuer un grand nombre de coups de matraque, on s'interroge sur la proportionnalité de saturer un espace de gaz lacrymogène. Donc, on s'interroge autour de ces questions-là qui se demandent si le policier individuel a bien agi dans des situations données. Et ça m'a laissé une petite insatisfaction, puisqu'on reste un peu à la surface d'un phénomène, on décrit effectivement ce qui se passe, mais on a moins abordé en fait la logique sous-jacente de cette escalade des violences. Et c'est précisément cette logique sous-jacente qui m'a intéressé et que j'ai essayé de développer, d'identifier. Et pour ça, je me suis inspiré d'une idée, à savoir que le philosophe Grégoire Chamaillou a appelé la théorie de l'arme. Et dans cette théorie de l'arme, ce qu'il dit, c'est que si on veut analyser une arme, puisque faut bien, quand on s'intéresse aux blessés, aux mutilés, il faut bien s'intéresser du coup à l'outil qui a servi à la répression. Donc je m'intéresse aux armes non létales, et quand on s'intéresse à une arme, Chamaillou lui dit qu'il ne suffit pas de regarder à quelle fin une arme a été utilisée, il faut aussi s'intéresser à la manière dont l'arme façonne le comportement de celui qui l'utilise. Donc dans quelle mesure la disponibilité d'armes non létales change le comportement ou contraint le comportement des forces de l'ordre. Donc je suis parti de cette idée-là d'interroger les effets des armes non létales sur les forces de l'ordre et par extension sur le comportement des manifestants. Donc ça c'est toute la première partie, plusieurs chapitres dans le livre qui s'intéressent à cette question-là. Et ensuite il y a une deuxième partie du livre qui va un peu plus loin, qui commence par l'idée que s'il y a un choix technique, le choix des armes non létales, et ben ce choix-là, il ne tombe pas du ciel. Il s'inscrit dans un projet politique particulier, ou plus précisément un projet hégémonique. Et donc, il s'agit aussi de revenir sur ce projet hégémonique et à interroger la place que prennent les armes non létales dans ce cadre-là. Du coup, je vais commencer par dérouler un peu ce que j'écris dans le livre sur la manière dont la disponibilité des armes non létales façonne le comportement des policiers, avec une idée force que j'essaie d'exprimer, à savoir que, contrairement à ce qu'on nous dit, les armes non létales ne conduisent pas à un maintien de l'ordre plus humain, plus éthique, plus doux,
Parce que c'est ça qui est constamment mis en avant depuis l'introduction des armes non létales. Les armes non létales seraient finalement une option, une alternative plus douce à d'autres armes. Contrairement à cette idée-là, ce que moi j'argumente, c'est que la disponibilité même des armes non létales conduit à la brutalisation du maintien de l'ordre. Donc les effets sont inverses. Puisque les forces de l'ordre disposent d'armes non létales, ils vont être plus violents. Alors comment ça s'explique? Alors j'ai du coup écrit un premier chapitre un peu plus historique dans lequel je m'intéresse aux conditions et aux raisons qui ont conduit les décideurs politiques à introduire des armes non létales. Et grosso modo, dans l'histoire des armes non létales, on peut identifier trois vagues. Une première vague, au début du XXe siècle, qui vise très clairement l'agitation ouvrière. Donc il y a un mouvement ouvrier qui devient de plus en plus organisé et fort. Et face à ça, donc les 10-15 années avant la Première Guerre mondiale, et bien face à ça, en France, les gouvernements essaient de trouver une manière de réprimer. Et c'est là qu'intervient l'invention du gaz lacrymogène, qui est donc, en dehors de la matraque, la première arme non létale qui va être utilisée à grande échelle. Cette arme est mise en place en 1911-1912 en France. Elle est prévue pour réprimer les révoltes et les manifestations ouvrières. Ensuite, intervient la Première Guerre mondiale. Et c'est là que commence le voyage du gaz lacrymogène. Donc le gaz lacrymogène passe d'une arme contre le mouvement ouvrier à une arme de guerre. Donc l'armée française utilise le gaz lacrymogène dans la guerre des tranchées, notamment pour faire sortir les soldats de l'Empire allemand des tranchées. Très vite, l'Empire allemand d'ailleurs riposte un an plus tard avec un gaz encore beaucoup plus dangereux. Donc ça devient une arme de guerre, sauf que en sortant de la guerre, les soldats ils en gardent un très mauvais souvenir. Ils gardent des souvenirs horribles de ce gaz qui arrive et qui les oblige à sortir des tranchées, à s'exposer. Donc il va être largement décrédibilisé pour le maintien de l'ordre, en tout cas domestique. Par contre, là, du coup, commence la partie coloniale du gaz lacrymogène. Donc, c'est une arme qui va être utilisée afin de réprimer les révoltes dans les colonies. Et on a donc une dizaine d'années où ça sera surtout une arme coloniale. Sauf très vite, en fait, dès la crise du capitalisme de 1929, le gaz lacrymogène revient à nouveau dans les métropoles. Il est utilisé en France, à nouveau dans les années 30, aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, donc dans tous ces pays-là. Et ça va même être un succès commercial assez considérable, parce que ce que font les producteurs de gaz lacrymogène, c'est qu'ils disent « Cette arme, elle est formidable, vous pouvez réprimer, c'est super efficace, et en plus, ça ne se verra pas vraiment ». Il faut garder à l'esprit le contexte, la photographie se développe de plus en plus. Des images de personnes en sang, ça donne pas bonne presse. Alors que le gaz lacrymogène, on pense que ça fait fuir les gens, mais au-delà de ça, c'est pas très grave et c'est très efficace. Sauf que dès les années 30, aux États-Unis, vous avez des associations de médecins qui alertent sur les dangers du gaz lacrymogène. On a les premiers cas de personnes asphyxiées à cause du gaz lacrymogène. On a des fausses couches qui sont provoquées par le gaz lacrymogène. Donc tout de suite, en fait, on voit que les conséquences sur la santé humaine sont assez graves. Mais bon. Ensuite, on a une période de relativement calme dans le capitalisme, ce qu'on appelle un peu faussement les 30 glorieuses. La répression, elle est moins présente, et c'est seulement avec les révoltes de la jeunesse et du mouvement ouvrier dans les années 60 et 70 que va commencer une deuxième vague des armes non létales. Donc on a une situation effectivement de révolte, un esprit révolutionnaire dans les pays occidentaux. Et face à ça, les gouvernements cherchent à nouveau la fuite en avant. Ils ne veulent pas trop céder sur le terrain politique. Donc ils cherchent en quelque sorte l'outil technologique magique qui permet de continuer les politiques qu'ils avaient prévues tout en réprimant efficacement sans que ça se voit trop. Et du coup, à ce moment-là, sont introduites de nouvelles armes non létales, notamment les balles en caoutchouc et les balles en plastique, dont le flashball et le LBD sont les héritiers. Ça va être
d'abord en Angleterre dans la gestion coloniale, d'ailleurs en Irlande, et aux États-Unis dans la répression du mouvement étudiant et du mouvement pour les droits civiques. Donc une première grande invention de cette période-là, c'est les balles en caoutchouc et en plastique. Et la deuxième grande invention de cette période-là, c'est l'arme électrique, dont le représentant est aujourd'hui le taser. Et là aussi, c'est un peu compliqué de légitimer l'arme électrique auprès du grand public. L'électricité est associée à la torture, elle est associée à l'agriculture, à la gestion du bétail, quoi. Donc, pour utiliser ça contre les civils, à nouveau, fallait déployer tout un arsenal. De publicité, mais ça a fonctionné. En même temps, cette vague de révolte, elle se calme un peu au fur et à mesure, donc ça devient un peu plus calme à nouveau sur le front des armes non létales. Et là, on arrive dans les années 90, et ça commence par la révolte des quartiers populaires de Los Angeles, où on a cette scène en 1991 où un homme noir se fait tabasser par la police. Ce qui en soi n'est pas un événement extraordinaire. Ce qui le rend important, c'est que cet événement a été filmé. Et donc la vidéo a été diffusée, et c'est ça qui va provoquer les révoltes des quartiers populaires de Los Angeles, qui, voilà, ça va être une révolte assez importante. Et la réaction de la police, c'est pas de dire « Ah, c'est vrai qu'on a tabassé un type et on n'aurait pas dû, donc on va se comporter différemment. » Non, la réaction de la police, ça va être « On a besoin d'armes plus efficaces, parce que vous voyez bien, on n'arrive même pas à mater la révolte dans les quartiers populaires de Los Angeles. » Et donc là commence à nouveau un effort de recherche et de développement pour trouver de nouvelles armes, dont je vais parler dans un instant. Et ce qui est assez important, c'est qu'en France, c'est similaire, c'est par le biais de la gestion des banlieues que vont être introduits le flashball en 1995. Et ce qui est une continuité dans ces trois vagues d'armes non létales, c'est que finalement, c'est à chaque fois que l'État perçoit une crise du maintien de l'ordre qu'il va vouloir introduire de nouvelles armes, qu'il cherche de nouvelles armes. Alors dans les deux premiers cas, on a une situation effectivement de situation de contestation très très forte, que ce soit le mouvement ouvrier qui se consolide et le mouvement de révolte des années 60 et 70. Alors que pour la dernière vague, les années 90 et la suite, et ben là, le mouvement ouvrier, il est relativement affaibli. Donc là, pourquoi est-ce qu'on peut quand même parler d'une crise du maintien de l'ordre? Parce que tout simplement, l'État est devenu le plus intolérant face à la contestation. Donc là, c'est pas tellement que la contestation dans la rue a été très forte dans les années 90, c'est plutôt que l'État est devenu plus intolérant. Et on va en parler dans un instant un peu plus. Et ensuite, on voit effectivement en France se développer toute une panoplie d'armes non létales, toujours plus diverses, et avec des armes toujours plus puissantes. On a donc l'introduction du flashball, l'introduction des flashball super pro, la grenade de désencerclement, la grenade à sourlissante, le LBD-40. Ce sont des armes qui sont toujours plus puissantes. Ça, c'est très important à garder à l'esprit, parce que ça façonne aussi la manière dont les policiers et les gendarmes voient le maintien de l'ordre. Ils voient que ces armes-là leur permettent de traverser des espaces toujours plus longs, toujours plus grands. Donc, ils peuvent être toujours plus loin des manifestants, donc ça leur donne aussi un sentiment de sécurité, au-delà du fait que pendant toute cette période, pendant la deuxième moitié du XXe siècle, l'équipement protecteur des policiers est devenu aussi de plus en plus solide. Donc on a vraiment une asymétrie qui est de plus en plus flagrante entre l'équipement en armes et en protection des policiers et les manifestants de l'autre côté. Donc il y a vraiment une asymétrie criante. Toujours est-il donc que les policiers peuvent traverser des peuvent réprimer à une distance toujours plus grande. Sauf que du coup, arrive aussi une certaine injonction pour eux, à savoir que pour garder en sécurité son unité, vaut mieux tirer plutôt plus vite que trop tard. Enfin, trop tôt que trop tard. Et donc, si les policiers veulent en quelque sorte exploiter au maximum les capacités techniques des armes non létales, ils sont incités à tirer sans forcément constater une volonté hostile en face. Donc ils sont incités à tirer plus,
à tirer plus tôt. Et donc ça, c'est un premier problème qui contribue à expliquer pourquoi le maintien de l'ordre est de plus en plus brutal. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on peut s'interroger un peu sur ce que ça veut dire, en fait, les armes non létales. Alors, la définition de l'arme non létale, c'est une arme qui ne tue pas ou qui ne mutile pas. Donc, elle ne tue et ne mutile. Sauf que l'expérience nous montre qu'en fait, on a quand même un certain nombre de morts et un nombre encore beaucoup plus important de mutilés. Et ça, c'est seulement pour les blessures les plus graves. Donc d'où est-ce que vient cette idée de non-létal? Et bien généralement, ce sont les producteurs de ces armes-là qui, en quelque sorte, collent l'étiquette « c'est une arme non-létale ». Et généralement, c'est pas une arme non-létale dans l'absolu, mais elle est non-létale sous condition de l'utiliser d'une certaine manière. Donc il faut suivre les consignes. Alors quelles sont les consignes? Ça c'est une question assez importante. Si on prend l'exemple du LBD 40, donc du fusil qui permet de projeter des balles en caoutchouc, et bien les consignes elles sont assez précises. Alors déjà, cette arme est non létale à condition de l'utiliser à une distance de plus de 10 mètres. Ensuite, elle est non létale dans un contexte qui ressemble un peu à un contexte d'utilisation sur un stand de tir. Vous avez un tireur qui est statique et une cible qui est statique. La situation est relativement calme, la luminosité est bonne. Et finalement, le tireur peut réfléchir et puis peut effectuer son tir. Et si vous avez été en manif récemment, et bien vous savez que ces conditions ne sont absolument pas remplies dans la réalité. Et d'ailleurs, souvent aussi, à cause des policiers, la luminosité, souvent elle est dégradée parce qu'il y a aussi massivement du gaz lacrymogène en même temps qu'un recours à d'autres armes. Ensuite, et bien effectivement, si vous ciblez quelqu'un et que cette personne se sait cibler, bien généralement, elle ne va pas rester statique. Elle va plutôt chercher à se cacher. En plus, les manifestations sont des contextes de masse. Bref, il y a de fortes chances que la balle atteigne un endroit qui n'est pas forcément visé, si jamais le policier arrive à viser. Et d'ailleurs, un autre fait assez important, c'est que du coup, la non-létalité est donc conditionnée à un tir à une distance de plus de 10 mètres. Sauf qu'en fait, les études sur le comportement humain nous montrent qu'en fait, les humains se trompent systématiquement dans l'évaluation des profondeurs, donc des distances. Donc en fait, un policier est tout simplement incapable de dire s'il est à 10 mètres ou à 5 mètres ou à 30 mètres. Enfin, j'exagère un peu, mais bref, le policier va se tromper entre 8 et 12 mètres. C'est sûr. Donc bref, toutes les conditions finalement de non-létalité du LBD 40 ne sont pas remplies. Et pourtant, les policiers et les gendarmes tirent à volonté. Et c'est là où on arrive aussi un peu au cœur du problème, à savoir que c'est en suggérant la non-létalité que donne finalement aussi qu'on déresponsabilise finalement les tireurs. On leur dit vous pouvez tirer de toute façon, il n'y aura pas de conséquences, ça ne peut pas être grave. Donc finalement les policiers, les gendarmes n'auront pas à assumer les coûts d'un dégât éventuel d'un tir. Ils sont déresponsabilisés, on leur dit de toute façon c'est une arme non létale. Donc n'hésitez pas à tirer, c'est pas dangereux. Et donc c'est ça qui explique, à mon avis, l'augmentation assez phénoménale du nombre de tirs, d'ailleurs dans les différentes armes non létales. Et donc tout à l'heure, je disais que j'ai fait un petit travail sur la statistique. Alors, vous le voyez peut-être pas très bien là, mais là, j'ai pris les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur sur les différents tirs en armes non létales entre 2009 et 2018. Et alors, l'augmentation, elle est frappante. Quand on prend toutes les armes confondues, on a une multiplication par 9 entre 2009 et 2018. Si on prend le LBD, la multiplication, elle est de 450 fois. Donc, c'est immense, c'est vraiment extrêmement frappant, cette augmentation. Et encore, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur qui, en fait, ne comptent pas tout. Parce que les policiers ne sont pas systématiquement obligés de faire un rapport quand ils tirent, parce que le ministère lui-même dit que certaines armes, comme les grenades assourdissantes, c'est pas la peine de les compter, le gaz lacrymogène, ne parlons même pas. Donc en fait, les statistiques que j'ai établies, ce sont des statistiques sur seulement une petite partie
des armes qui sont en réalité utilisées, et ce sont des chiffres qui sont donnés par les policiers eux-mêmes, donc il est probable que ça sous-estime l'ampleur réelle du phénomène. Et pourtant, déjà là, on arrive à une multiplication par 9, qui nous fait arriver à une situation où, en 2018, c'est comme si les forces de l'ordre avaient tiré sur chaque habitant d'une ville comme Biarritz, et en plus, il restait encore des balles et des grenades pour les villages autour. Donc c'est assez phénoménal, cette augmentation. Et il me semble donc qu'on peut plutôt bien l'expliquer par le fait que c'est en suggérant la non-létalité qu'on finalement encourage les policiers, qu'on les incite à tirer plus et plus vite. Donc c'est pour ça qu'une des idées que je mets en avant, c'est que la disponibilité même des armes non-létales conduit à la brutalisation du maintien de l'ordre. Donc ça, c'est un peu une première idée. Et ensuite, je disais tout à l'heure que je m'intéressais pas seulement à la manière dont les armes non létales façonnent le comportement des forces de l'ordre, mais aussi à la manière dont les armes non létales façonnent le comportement de celles et ceux qui sont exposés à ces armes, donc les manifestants et les manifestantes. Et ce qu'on a vu se développer assez rapidement ces dernières années, c'est des pratiques d'autoprotection populaire. On voit de plus en plus de manifestants qui viennent équipés, que ce soit un foulard, un masque, des lunettes, un casque, des masques à gaz. On voit aussi l'apparition de banderoles renforcées ou d'autres outils de protection du corps, parce que précisément les gens ont compris que se rendre en manifestation, c'est dangereux. Alors effectivement, ces armes ont quand même leur effet, parce qu'elles ont désincité aussi beaucoup de gens qui étaient trop inquiets pour leur santé, mais ils ont aussi produit, en quelque sorte, le développement rapide de pratiques d'autodéfense populaire, qui me semble assez important. Et ça embête les forces de l'ordre. Ils sont réellement embêtés, parce qu'ils voient du coup que une partie des effets des armes non létales est contournée. Et parfois, ça se fait très spontanément. On a des témoignages des mobilisations des gilets jaunes, où il y en a un qui dit aux autres, mais en fait, il y a un décathlon juste à côté là, vous pouvez aller, vous pouvez y trouver des lunettes de natation et vous acheter un équipement de protection. Donc c'est vraiment les gens qui spontanément, sur le champ, parfois, ont appris ce que c'est l'autoprotection, parce que effectivement, celles et ceux qui ont fait la mobilisation contre la loi de travail ou Notre-Dame de Lourdes, ils savent qu'il faut se protéger. Mais pour les gilets jaunes, c'était en partie quand même un public assez novice, et ils ont appris très très vite. Et c'est ça aussi d'ailleurs qui explique pourquoi, à un moment, j'ai trouvé un article du Parisien qui disait, ouais, au tribunal, pour les procès des gilets jaunes, bah, c'est bizarre, il y a très peu de vrais casseurs. Et en fait, pour eux, les casseurs, c'était ceux qui viennent équipés en manif. Et en fait, comme tout le monde a très vite appris qu'il faut se protéger, c'était un peu tout le monde qui pouvait se retrouver devant le tribunal pour d'être équipé comme un casseur. Donc, on a cette situation-là où on a un apprentissage aussi très vite de l'autoprotection populaire, et je disais que ça embête les forces de l'ordre. Dans le rapport qui a été rédigé par l'IGPN, la police des polices, et son équivalent chez la gendarmerie, dans ce rapport sur la mort de Rémi Fraisse, donc un rapport de 2014, on peut lire entre autres que les manifestants, effectivement, contournent avec un certain nombre d'outils de protection les effets des armes non létales, et que c'est pour ça qu'il faut faire aussi du coup des contrôles renforcés pour accéder aux manifestations et confisquer éventuellement de l'équipement de protection. Et c'est ce qu'on a vu se développer par la suite. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, cet équipement de protection qui est un peu improvisé, un peu bancal en réalité, il a un vrai effet à la fois de protection, mais qui change aussi le rapport de force dans la rue par rapport aux forces de l'ordre. Mais bon, toujours est-il qu'on a quand même un nombre important de manifestants blessés. On a vu, mais du coup aussi, voir l'émergence des street medics, donc des équipes de secouristes qui soignent des manifestants, et sans eux, sans doute que le nombre de blessés serait beaucoup plus important.
Et on a vu émerger du coup aussi la politisation des blessés. On a des marches des mutilés, on a des marches des blessés. Donc finalement, la question de la santé en manifestation est devenue aussi une question politique qui ensuite a conduit aussi à la politisation des armes non létales. Et donc ce livre, c'est un peu l'illustration, mais voilà, plein de gens en ont parlé avant. Au point que un sondage de début 2019 a indiqué que 54% des interrogés étaient pour l'interdiction du flashball. Et donc là, on atteint un peu le paroxysme. Ces armes étaient là, initialement, ont été introduites pour garantir un maintien de l'ordre plus doux. Et finalement, c'est pas le maintien de l'ordre qui est devenu plus doux. Ce sont les armes qui ont été décrédibilisées auprès d'un grand nombre de personnes. Donc on voit bien ici que ce sont aussi du coup les armes qui ont été politisées. Et dans ce cadre-là, il me semble important de souligner qu'effectivement, aujourd'hui, un nombre de plus en plus conséquent de personnes peut être concerné par les violences policières. Ça va du coup, effectivement, des habitants des banlieues. Ça concerne les syndicalistes, les écologistes, mais ça concerne aussi des députés d'opposition maintenant. Donc ça peut être voilà, beaucoup de monde. Et face à cette situation, je pense qu'il est important de mettre en avant en fait, cette idée de contrôle populaire de l'armement. C'est-à-dire qu'on ne peut plus laisser à la police la gestion de l'armement, mais qu'il faut un contrôle populaire là-dessus. Donc autrement dit, il faut interdire un certain nombre d'armes dont on sait pertinemment aujourd'hui qu'elles sont dangereuses et qu'elles sont beaucoup trop dangereuses. Mais il faut aussi inscrire ce contrôle populaire dans la durée. Donc à chaque fois que la police tente d'introduire une nouvelle arme, il faudrait un contrôle populaire qui statue sur l'introduction ou non de ces armes-là. Voilà donc un peu la première partie du livre. Et ensuite, je passe maintenant à la deuxième partie qui concerne plus le projet politique dans lequel ces armes-là s'inscrivent. Et une chose qui me semble importante, effectivement, c'est que les armes non létales, finalement, ce sont un peu les armes du maintien de l'ordre néolibéral. Je dis ça parce que ça coïncide historiquement. C'est dans les années 90 que grande diversité d'armes non létales a été introduite en France, comme je le disais tout à l'heure. Mais aussi sur le plan théorique, ça fait sens, parce qu'on a bien ce contexte-là où, suite à la baisse du taux de profit de plus en plus importante dans les années 60, la classe dominante, elle avait besoin de changer de modèle de société, de changer de régime d'accumulation. C'est pour ça que le néolibéralisme a été introduit petit à petit. Ça, vous le connaissez tous et toutes. Et ce néolibéralisme a quand même... Il y a un petit risque dans cette histoire. À savoir que dans la mesure où ce projet consiste à creuser les inégalités pour transférer une part toujours plus grande des richesses vers la classe dominante, ce projet il est propice à la contestation. Appauvrir les gens, forcément, ça conduira à générer de la contestation, des manifestations, des grèves, et ainsi de suite. Et c'est là qu'interviennent à nouveau les armes non létales, puisque ces armes-là, finalement, elles suggèrent qu'on peut réprimer en douceur, sans vraiment faire des dégâts. Donc il y a aussi une sorte de dimension idéologique à ces armes-là. Ce seraient des armes quasi magiques, qui serait efficace, mais sans blesser qui que ce soit. Et je pense que de ce point de vue-là, les armes non létales sont indissociables du maintien de l'ordre néolibéral. Et c'est pas par surprise qu'on voit ça aussi dans d'autres pays. Alors, au début du livre, je fais une petite liste des pays où il y a eu un débat autour des armes non létales. Et en fait, depuis, le débat a continué. On peut penser au Chili. Pensez maintenant aux États-Unis, avant Hong Kong, l'Espagne, enfin la Catalogne surtout, aussi l'Angleterre, l'Algérie, bref, la liste est longue. Et partout on voit le même phénomène. Mais il y a quand même une particularité française qui est en lien aussi avec l'avancée du néolibéralisme en France. Si on se place du point de vue de la comparaison des différents capitalismes nationaux,
On voit que dans les pays voisins de la France, les réformes néolibérales sont allées beaucoup plus loin. Le néolibéralisme est beaucoup plus avancé dans les pays voisins. Alors qu'en France, il y a eu une histoire de résistance, de mobilisation. Alors, rétrospectivement, on peut avoir l'impression que, bon, il y a eu, sur les 30 dernières années, il y a eu quelques victoires, mais il y a eu surtout des défaites pour le mouvement ouvrier. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que à chaque fois que le mouvement ouvrier décide de se battre, ben, en fait, ça désincite aussi, ou en tout cas, ça fait réfléchir le gouvernement. Il se demande deux fois si vraiment là, on fait encore une réforme qui risque à nouveau de mettre tout le monde dans la rue. Donc ça freine en quelque sorte l'avancée du néolibéralisme et ça a produit une situation où effectivement le néolibéralisme, comparé à d'autres pays, en France, il est moins avancé. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que du point de vue capitaliste, il y a encore des choses à gratter en France. Il y a encore des réformes à faire passer, il y a encore matière à privatiser, il y a encore matière à augmenter les profits. Donc la France est devenue assez centrale, parce qu'il y a un potentiel encore assez important. Et face à ce potentiel-là, justement, les gouvernements, et c'est pour ça que, en fait, pour comprendre le maintien de l'ordre, il est moins intéressant de s'intéresser à la doctrine de tel ou tel ministre de l'Intérieur, parce que ça supposerait un peu qu'en échangeant, en remplaçant le ministre de l'Intérieur par une autre personne plus respectueuse des droits humains, que la situation changerait. Alors qu'en fait, ce qu'on voit, c'est un continuum qui commence dans les années 90 et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Chacun des gouvernements a introduit de nouvelles armes non létales et des armes non létales toujours plus puissantes. Dans l'objectif, effectivement, de pouvoir réprimer en douceur. Donc on a une continuité comme ça de l'extension des armes non létales qui est indissociable du projet néolibéral. Et les chiffres, à nouveau, sont assez frappants sur les dernières années en France. La Cour des comptes s'est penchée sur les dépenses en armes non létales et aussi en équipement plus général chez les forces de l'ordre. Donc elle a sorti un rapport en 2018 où, voilà, c'est de la Cour des comptes, donc elle compte tout un tas de choses. Elle compte aussi, du coup, l'évolution des armes chez les policiers et les gendarmes. Et ce qu'on voit, c'est que les armes non létales sont les armes qui sont le plus fortement en augmentation. Sur seulement 5 ans, l'équipement en armes non létales a quasiment doublé. Donc entre 2012 et 2017, on a une augmentation de 75% en armement non létal. Sur la même période, on a aussi eu une augmentation très forte en équipement de protection pour les policiers. Donc à nouveau, effectivement, et ça n'a pas arrêté, même pendant le confinement, le gouvernement a commandé encore de nouvelles armes. Donc c'est vraiment quelque chose qui dépasse les différents gouvernements et qui est associé au projet néolibéral, mais qui nous dit aussi quelque chose d'assez inquiétant sur la manière dont les gouvernements successifs conçoivent la contestation en France. Ça nous dit que les gouvernements se préparent à utiliser de plus en plus d'armes. Alors, la statistique sur le recours aux armes non létales dont je vous ai parlé tout à l'heure est déjà très inquiétante parce qu'on a une augmentation phénoménale des tirs. Sauf que ce que font les gouvernements, c'est qu'ils dépensent encore plus d'argent public dans l'équipement en armes non létales. Donc, potentiellement, on peut s'attendre à ce que les violences policières par armes non létales augmentent encore beaucoup plus les années à venir. Donc, on a déjà qui se prépare à recevoir les mobilisations populaires par la force. Et ça, c'est... Voilà, faut le garder à l'esprit. Et bien sûr, derrière tout ça, vous avez une industrie qui prospère. Alors, il faut dire que l'industrie de l'armement non létal, elle est pas très grande. Mais elle se développe de manière significative. Il y a quelques années encore, les études de marché pour ce secteur-là prédisaient un fort potentiel de croissance dans les pays de l'Asie du Sud-Est et dans quelques pays, dans quelques dictatures. Ça a totalement changé ces dernières années, et maintenant, le monde entier est devenu un marché génial pour cette industrie, dont la croissance annuelle est de 10% à peu près. Alors 10%, c'est un chiffre extrêmement élevé,
quand on considère que la croissance économique générale dans un pays comme la France, elle est autour de 2%. Donc ce secteur de l'armement non létal, il augmente beaucoup plus. Donc chaque année, 10%. Donc derrière, vous avez effectivement des producteurs qui font des profits, mais qui misent aussi beaucoup sur l'exportation. Et de ce point de vue-là, il y a aussi une dimension un peu internationale, parce que la France, c'est quand même un des pays qui exporte le plus en armes non létales. Et c'est pas forcément dans les pays où on est très respectueux des droits humains. Donc là, dans le livre, je fournis aussi une liste des pays où la France sait très bien qu'il y a des violations des droits humains et pourtant elle exporte des armes dans ces pays-là. Et le cas du Bahreïn est particulièrement frappant. Alors, on a dans le cadre des révolutions arabes, effectivement aussi un mouvement révolutionnaire au Bahreïn qui est réprimé en 2011. Suite à cette répression sanglante, il y a une interdiction pour la France, il y a une interdiction d'exporter de l'armement au Bahreïn. Sauf qu'en 2012, on trouve des armes françaises au Bahreïn utilisées avec une date de fabrication de 2012. Donc après l'interdiction d'exporter. Donc effectivement, on a de ce point de vue-là aussi une grande proximité entre, d'un côté, les décideurs politiques français et de l'autre côté, l'industrie de l'armement français, qui d'ailleurs n'était pas très contente ces dernières années parce qu'elle trouvait que la France n'achetait pas assez d'armes et que en plus le flashball avait une mauvaise réputation. Donc jusqu'en 2016, elle considérait que finalement la France n'est pas un très bon marché. Mais depuis, ils ont changé d'avis, ils trouvent que ça va, c'est plutôt pas mal, la France réprime plutôt bien, donc c'est bon pour les affaires. Voilà, je ferme la parenthèse sur l'industrie. Et je termine par quelques mots de la conclusion du livre, en quelque sorte. Ce qui me semble important, du coup, c'est effectivement de pousser vers un désarmement de la police. Et de ce point de vue-là aussi, le débat américain, actuellement, il est assez intéressant parce qu'eux, ils ont une réelle discussion autour de l'abolition de la police, autour de démanteler la police, d'utiliser les dépenses publiques dédiées à la police pour d'autres préoccupations. Donc c'est cette idée de désarmement, elle me semble importante. Mais il faut toujours garder à l'esprit que, étant donné que, et là, du coup, c'est une réflexion un peu sur l'État capitaliste, étant donné que cet État capitaliste forme une unité fonctionnelle avec le processus d'accumulation du capital, et bien, en fait, vous avez une violence qui est inhérente à la société capitaliste et s'exprime, du coup, différemment selon les différents régimes d'accumulation. Donc le fordisme, donc les années de l'après-guerre, c'était un régime d'accumulation différent, avec une répression différente de la répression du néolibéralisme. Mais ce qui est inhérent au capitalisme, c'est de réprimer celles et ceux qui, en quelque sorte, se trouvent par leur position sociale, en quelque sorte, potentiellement opposés à la maximisation des flux du capital, alors que le rôle de l'État, c'est précisément de garantir les conditions qui permettent à l'économie de fonctionner sans la moindre entrave. Donc, finalement, la solution du problème, effectivement, ne pourra venir que d'une solution en matière de rapports sociaux, donc une solution qui touche au capitalisme et à son état. Mais n'empêche, en attendant, je pense qu'on gagnerait déjà pas mal en termes de santé publique, de sécurité en manifestation et donc en droit démocratique, de pousser vers un désarmement de l'État.